On est quatre personnes. Quatre personnes dans une cellule de trois. C'est irrespectable. C'est inadmissible. On est quatre personnes. On se demande de changer. Il faut 1000 fenêtres en plexiglas. C'était il y a quelques jours dans une prison de la banlieue parisienne. Des détenus filment pour dénoncer leurs conditions de détention. Au même moment, l'administration pénitentiaire annonçait un nouveau record de surpopulation carcérale, 70 710 personnes incarcérées pour 60 000 places. Depuis le mois de juin, à Vezin, on n'arrête pas de voir des collègues qui se font tabasser gratuitement. Est-ce qu'il va falloir attendre qu'un mort arrive ? Pour qu'enfin l'administration réagisse comme elle doit le faire. 8 agressions en un mois et demi. À Vezin-le-Coquet, le taux d'occupation est de 143%. Une centaine de détenus dorment sur des matelas, à même le sol. Marion est bénévole au Génépi. En maison d'arrêt, raconte-t-elle, les détenus passent 22 heures sur 24 dans leur cellule. Une cellule de 9 mètres carrés. 2 lits en général, un troisième matelas, voire parfois un quatrième matelas sur le sol. Dans ces 9 mètres carrés, on trouve un petit coin cuisine. Il y a le coin toilette. Dans les prisons les plus récentes, il y a le coin douche aussi. Et du coup, ça crée une promiscuité et un manque d'intimité qui... Enfin, on peut imaginer que ça rend complètement fou. L'été, en prison comme ailleurs, la vie ralentit. Les cours ne sont plus assurés. Les entreprises ferment, n'envoient plus de travail. Alors quand la chaleur s'ajoute au mal-être, la situation devient explosive. 2 ou 3 détenus qui peuvent ne pas avoir les mêmes idées, les mêmes pensées culturelles, forcément ça va créer de la tension. Et cette tension, forcément, elle va rejaillir. Et à un moment, le trop-plein de tension, le punching ball, qu'est-ce qui sert de punching ball? Ce n'est pas forcément le co-détenu, c'est bien plus souvent le personnel, nos collègues qui sont en première ligne. La porte s'ouvre et pan, ils ne comprennent pas pourquoi, mais le coup est parti. L'administration pénitentiaire reconnaît le malaise. Elle explique que des ventilateurs ont été installés dans les cellules. Le gouvernement a annoncé la création de 7 000 nouvelles places de prison d'ici 2022. Il en manque aujourd'hui 11 000.